Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va voir ensemble le Braille. Le Braille, le Chromecast, une télévision et le Polaris 20 que je vous montre ici. Le Polaris 20 est un bloc-notes Braille qui va me permettre de gérer les chaînes YouTube directement sur ma télé et tout ceci en Braille. Je n'aurai en aucun cas à toucher à la télé. Simplement, j'arrive avec mon bloc-notes Braille et je gère mes vidéos YouTube tout simplement avec mon bloc-notes. Mon bloc-notes, lui, va me servir de télécommande et grâce à lui, je vais pouvoir gérer toutes mes vidéos YouTube. Vous allez donc découvrir comment gérer YouTube en Braille avec le Polaris 20, avec ce petit appareil. Une personne déficiente visuelle, non-voyante, va pouvoir gérer YouTube sur une télé et pouvoir gérer par exemple une soirée en mettant la musique, en mettant des vidéos. C'est sur Vision High Tech, donc pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre tous ces tutos et démos. Le Braille est super important dans la vie des personnes déficientes visuelles. C'est vraiment un outil idéal et vous allez voir que grâce au Braille, on peut gérer YouTube sur une télé sans problème. Je vous avais déjà présenté le bloc-notes, le Polaris 20 sur une vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va pouvoir donc mettre des vidéos sur notre téléviseur grâce à cet appareil en passant par le Chromecast. Gestionnaire de fichiers F. Voilà, donc une fois que vous êtes sur votre appareil, sur votre Polaris 20, on a donc différentes possibilités de navigation. On peut naviguer par le biais de raccourci clavier, ici, tel que on va dans Applications. Donc, je vais taper la touche A. Agenda toutes les applications. Ensuite, je veux me diriger sur YouTube. Alors, sur YouTube, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement appuyer sur les touches pour rendre un Y. YouTube, toutes les applications. Ici, je vais valider mon application. YouTube, Mix, YouTube, une infinité de playlists personnalisées en fonction de vos goûts, recommandations. Une fois que vous avez ouvert YouTube, on va chercher donc la zone d'édition en descendant avec nos flèches de chaque côté de la barrette Braille. 31 secondes, Beerbox, un film original Netflix disponible maintenant, annonce, Netflix France touche entrée pour sélectionner. Bouton vidéo touche entrée pour sélectionner. Accueil. Icône cast, touche entrée pour sélectionner. Bouton rechercher, touche entrée pour sélectionner. On a donc notre bouton rechercher que l'on va valider avec notre point 8. Liste Mavachou, touche entrée pour sélectionner. Bien sûr, notre Polaris comporte un micro. On va pouvoir lancer une recherche vocale, si on le désire, directement en tabulant. Bouton modifier la suggestion Mavachou, liste vision high-tech. Bouton inactive, bouton recherche vocale, touche entrée pour sélectionner. Donc, j'ai mon bouton recherche vocale que je vais valider. Image logo Google. Vision high tech, gestuelle iPhone. Vision, bouton revenir en haut de la page, touche entrée pour sélectionner. Bouton vision high tech, gestuelle iPhone, touche entrée pour sélectionner. Voilà, donc, comme vous venez d'entendre, mon Polaris a bien compris ma demande. Je le valide. Zone, liste, vision, high-tech, gestuelle, iPhone, touche entrée pour sélectionner. 16 minutes, tuto gestuel sur iPhone X, gestuel sur YouTube avec VoiceOver, accessibilité Apple, vision high-tech, il y a 3 mois, 513 vues, touche entrée pour sélectionner. Voilà, donc, on vient d'entendre que notre recherche s'est bien effectuée. On va pouvoir lancer cette lecture et ensuite caster l'image de notre Polaris sur notre téléviseur. On va tout de suite le tester ensemble. Touche entrée pour sélectionner. La magie de Noël. En ce moment, c'est Noël. J'aime pas Noël. Ah bon, mais pourquoi? Bouton réduire, touche entrée pour sélectionner. Bouton accéder au site de l'annonceur, touche entrée pour sélectionner.
Bouton plus d'options, touche entrée pour sélectionner. Bouton interrompre la vidéo, touche entrée pour sélectionner. Donc ici, j'interromps la vidéo. Icône cast, touche entrée pour sélectionner. Alors ici, j'ai l'icône cast. Ici, c'est ce qu'on veut faire. On veut caster l'image de notre Polaris sur notre télé. Et comme cela, on va pouvoir gérer l'intégralité de notre téléviseur grâce à notre plage braille. On va tout de suite le valider. Donc ici, notre Polaris nous demande sur quel Chromecast on veut caster. C'est sur Salon 2. Je vais valider dessus. Et la magie va opérer. YouTube. Tuto gestuel sur iPhone X, gestuel sur YouTube avec VoiceOver, accessibilité Apple. Face ID. Pas besoin de Face ID, le déverrouillage avec le visage. On appuie sur le bouton. Bouton interrompre la vidéo, touche entrée pour sélectionner. Voilà, donc je peux interrompre la vidéo comme je le désire. Je peux éventuellement la relancer. Bouton lire la vidéo, touche entrée pour sélectionner. Lire la vidéo. Bouton lire la vidéo, touche entrée pour sélectionner. Partager cette vidéo au plus grand temps, nombre. Aucun temps affichable, boîte d'attente. Aucun temps affichable. Alors on peut lire la vidéo précédente si on le désire. Bouton interrompre la vidéo, touche entrée pour sélectionner. Dans un premier temps, on peut. Voilà, donc on peut lancer la vidéo. Lire la vidéo, touche entrée pour sélectionner. Ou la mettre sur pause. Interrompre la vidéo, touche entrée pour sélectionner. En fait, le Polaris devient une télécommande. Si je veux supprimer ma liste de lecture et revenir sur l'écran d'accueil de YouTube. Bouton désactiver vidéo suivante. Bouton menu, touche entrée pour sélectionner. Je vais sur menu. Deux points. Liste affichée, les informations sur la vidéo, touche entrée pour sélectionner. Liste sous-titres, touche entrée pour sélectionner. Liste affichée, les informations. Liste créer une playlist, touche entrée pour sélectionner. Liste supprimer, touche entrée pour Donc je fais supprimer. Bouton, la file d'attente est vide. Ajouter des vidéos. Il me dit donc la file d'attente est vide. On revient sur la page d'accueil d'attente de YouTube. Je peux éventuellement revenir en haut. Appuyer pour fermer la file d'attente. File prêt à caster sur salon de touche entrée. Je ferme ma file d'attente. Bouton vidéo touche entrée pour sélectionner. Accueil. Icône cast, touche entrée pour sélectionner. Bouton rechercher, touche entrée pour sélectionner. J'ai le bouton rechercher. Liste ma page pour entrer ou modifier du texte. Je vais sur ma touche F3 du Polaris. Bouton recherche vocale, touche entrée pour sélectionner. Bouton recherche vocale. Image Vision high-tech Google Home. Prêt à caster sur salon de touche entrée pour sélectionner. Une fois que ma recherche a été faite, je descends avec mes flèches sur le côté de la barrette braille. 8 minutes et 1 seconde. Nouveauté, 8 nouvelles applications. Google Home a testé assistant Google Home. Je lance ma vidéo. Tech, il y a 6 mois, 2,7K vu, touche entrée pour sélectionner. Lire, touche entrée pour sélectionner. Et maintenant, je vais sur le bouton lire. Lecture de nouveauté, 8 nouvelles applications. Google Home a testé assistant Google Home. Bouton menu touche entrée pour sélectionner. Bouton interrompre la vidéo touche entrée pour sélectionner. Bouton lire la vidéo touche entrée pour sélectionner. Voilà donc comment je peux gérer ma télé avec YouTube et le bloc-notes Polaris 20. Donc tranquille, il faut être équipé donc d'un Chromecast, d'un Polaris, d'une télé et vous gérez vos musiques, vos vidéos sans problème grâce au braille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Vision Hightech, sur les nouvelles technologies. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fête à tous, à bientôt, salut à tous.